organisateur du tournoi CNPS qui est organisé au lycée bilingue de Sens. Il a un mot de Valencia lui-même qui est tout vêtu de blanc pratiquement. Il faut dire que c'est une couleur de pureté qui démontre tout simplement tous les bons sentiments qu'il a envers le football. D'ailleurs, on a voulu que ce soit un tournoi qui regroupe tout simplement les joueurs âgés de moins de 20 ans. Donc, pourquoi pour dire tout simplement qu'on a voulu découvrir de nouveaux talents. Et là, ça fait plaisir que vous soyez là avec ce vent sec qui souffle sur la cité et que vous ne soyez pas piqué. Hein. Ouais, c'est bon. En tout cas, le président est tout à suite là-bas. Ils sont en train de tenir la main au fond des acteurs. Mais tout à l'heure, on voit Dinalo, qui est un ancien hein, Dinalo. Voilà. Et qui a déjà des cheveux un peu grisonnants, mais il n'a pas perdu en capacité. Dinalo, près de 50 ans déjà. Et vous allez voir ce dernier d'ailleurs, face à un ancien coéquipier, l'équipe nationale notamment. Vous allez voir tout à l'heure, ça s'annonce très très chaud pour vous, mesdames et messieurs. Le président et sa suite sont en train de saluer les joueurs qui sont bien habillés, on voit les belles couleurs. Hein, Manuel. Ah ouais, tout à fait. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur, de continuer à le vivre. Ça ne va pas ça va le coup d'envoi, les 11 qui commencent là. Et Didier Degapa, on vous voit avec une feuille sur laquelle sont inscrits d'énormes chiffres. Ah oui, les chiffres énormes, on a complété exactement les récompenses. Tout à l'heure, une cérémonie de rattrapage réussie, bien sûr, par le président Amos de Valencia lui-même, qui vous souhaite bien sûr la bienvenue, tout comme le comité d'organisation. Et là, Didier Dengel, c'est parti depuis quelques minutes sur le terrain. Ah oui, sur le terrain, c'est parti. Alors qu'on va revenir à ce match avec Emmanuel Assoumou. Frenzy, lui, ne part pas, il reste avec nous, il va vous permettre de savourer toutes les animations. On le rappelle, avec une panoplie d'artistes, on a dit c'est la fine crème. Marco Singer, déjà un premier spectacle. Patou Bass attendu, Petit Pays également attendu, Aïdou Mamadou ne sera pas là, Loulou Marcelin lui viendra aussi pour se produire, et il y aura aussi Edouard Langrassé sur le terrain, c'est les anciens joueurs qui vont contrôler ce ballon là-bas avec Tato Stéphane, qui tentait de trouver un relais avec l'un de ses partenaires, la frappe, il me semble. Ils sont venus pour s'amuser, ils sont venus pour faire honneur au président du comité d'organisation. Ils sont venus pour se illustrer, donc des tours d'aller faire des chansons pour les gens dont on parle pour Roger Villa. Ça c'est vraiment, c'est à peu près comme étant comme la génération dorée de l'histoire du football camerounais, puisque jusqu'alors il n'y a eu que celle de 2003 qui a pu accéder au stade de la finale de la Coupe des Confédérations. Ah oui, bien sûr, on se souvient hein, que le capitaine. Et oui, 8 décembre directement avec cette faculté, voilà, pour pouvoir miner les troupes. La Constéphane qui on rappelle technique. Et on l'a vu bien de fois pendant que ce tournoi se déroulait. On l'a même vu avoir des entretiens avec des joueurs qui ont participé à ce même tournoi. C'est-à-dire que peut-être le président Amos de Valencia et toutes les personnalités qui l'entourent vont dans les prochains jours certainement offrir à ces jeunes joueurs un encadrement digne de ce nom. Quand on sait qu'au Cameroun, il y en a, on a été pratiqué pendant 15 jours. On a eu des sélections qui pratiquaient un football champagne pour aller voir jouer au Real de Madrid. Non, c'est au Cameroun et c'est dans un tournoi de vacances. Il est donc à comprendre que ce qui ne permet pas à tous ces joueurs d'exploser au plus haut niveau, c'est sans aucun doute cet encadrement qui va il avec des personnalités comme Luderson, comme Fitoura, comme Tato Stéphane. Connaissent tous les méandres et tous les rois du football en tout ce que vous laissez les règles pour offrir ces jeunes-là. C'est un cas vraiment professionnel et on espère alors que peut-être un ou deux de cette journée de la finir du football pour pouvoir aller s'inscrire au
au meilleur du monde. Nous avons les gars. Oui, la parité et la neutralité, ils se font qui persiste sur le terrain avec une domination. On l'a dit et redit, le foot de main de ce joueur qui vient faire son entrée sur le terrain. C'est nous qui va repartir tranquillement là-bas avec Mangamba, le pied gauche. Mangamba qui va trouver le relais avec l'un de ses partenaires. Les anciens doivent toujours contempler les frustrations, ce sera contré. La récupération du 2-0 Leclerc. Le 2-0 Leclerc avec ce ballon contenté d'adresser là-bas à Ginalo. Ginalo, la belle passe. L'interception va là-bas. Le ballon qui sera transmis de la tête par celui de sa 13 du côté des anciens doivent. Ah, les anciens doivent qui finalement se font reprendre. A mine de rien, Emmanuel, quand même, le moins que l'on puisse constater, c'est que défensivement, nos amis du 2-0 Leclerc semblent bien organisés. Cette sélection des anciens doivent avoir beaucoup de difficultés jusqu'ici à déstabiliser cette défense. C'est plus difficile qu'en première mi-temps. En première mi-temps, on se rapprochait plus facilement des points. D'un coup, nous sommes bien que le staff technique de la sélection 2-0 Leclerc a bien fait les retouches nécessaires. Cette fois, c'est de plus en plus compliqué. De cette sélection des anciens gloires, il y avait un technicien de taille, champion d'Afrique il y a quelques mois, avec les Lueurs Espoirs du Cameroun, qualifié pour les Jeux Olympiques de Beijing en 2010. C'est simplement en 2008. Et son producteur derrière, monsieur Achille Joseph Banga, président d'Achille de Yaoundé, avec que de personnalités importantes dans cette tribune d'honneur du stade du camp cycle de l'Ankak. C'est l'acte final de a toujours chef d'orchestre des 100 visas de petits pays. Grande fête, que ce n'était pas du bon canular, ils sont bel et bien là, toutes ces personnalités annoncées. À petit pays, me semble, l'arrivée du turbo, le turbo du monde avec Blaise Dinker et tout un clic. Voilà, qui sont autour du musicien camerounais qui incontestablement a changé la donne sur le plan musical au Cameroun, notamment dans le star system, notamment par sa provocation. Vous voyez, c'est les médias qui se disputent l'espace pour pouvoir immortaliser le turbo, alors que le Do Marcelin est toujours là avec totalement glacé et tranquillement, ils sont très concentrés. Tout cela, ces artistes sont certainement contents que tous les artistes qu'il a invités aient répondu présent. Et ça va chauffer donc tout à l'heure ici au stade du camp cycle de l'Ankak, l'une des plaques tournantes du football dans la séance événement. Et cet après-midi, c'en est la première édition du festival de football. Encourager nos talents. Et c'est des habits en jonglant. Ah oui. Et ce ballon qui est collé à lui. C'est la totale et c'est déjà le début. Hein. Ah oui, c'est la totale. Tout simplement le premier quartier du Cameroun à ce moment précis. C'est inédit ce que nous voyons. Ah, je crois que c'est 100 euros. Oh là là. Ah oui. Qui a été exécuté pour la première fois en 1957 avec bien sûr les compositeurs René Djamafan et assistant numéro 1 Atiba et Togo,
assistant numéro 2, Messier Lundi, et puis le quatrième arbitre, c'est Mbala Atangana, et les petits qui vont avoir ici honneur de saluer le président du tournoi et instigateur du mouvement, bien sûr. Très grand moment hein, pour ces jeunes-là. Ils sont tout simplement ébahis de voir toutes ces stars ici au stade du Cancer de Lorca. Ce sont des moments rares. Ça peut marquer toute une vie. Ah ouais, ils vont pas l'oublier. Hein, ah ouais, ils se trouvent s'ils avaient certains posters dans leur chambre. Ah ils vont se dire, mais voilà, c'est ce qu'on a pu serrer la même petite prière aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Et ça c'est grâce à moi de m'arranger. Voilà, après la présentation et la sélection, quelques fins de là-bas, ils sont tous tournés dans cet entier grand moment avec les petits pays, le groupe Maxalin, le président Chimbaga et tous ces artistes qui se sont déplacés, Marco Singa et Doublement Blasé et les autres. Ils sont tous présents à ce grand rendez-vous. Après donc cette présentation des différents acteurs qui ont participé à cette finale, on va bien sûr enchaîner avec tout l'endroit. Dans le premier tour, Frenzy Manguier avait concédé 4 points, concédé 3 lunes, une défaite, 2 points. Les deux équipes s'étaient séparées, 1 but par but. Finalement, nous avons parvenu à ce sort par de très beaux petits pays, par les artistes qui ont fait notre placement, ainsi que par quelques membres du comité d'organisation. Notamment Ami MP, notre séduisante président du comité d'organisation. À mode de balance, la foulée, mais c'est parti. Bien sûr, sous les acclamations du public, hein, très nombreux, geste technique, un intérieur du pied, on va voir. Hein. Dans quelques instants, ce sera parti. Ah, ça va partir. Quand on te dit alors que quelques groupes d'animation ont déjà commencé, mais on n'a pas essayé de les étouffer. Ils sont venus aussi pour. Dans quelques instants, mon Dieu, en noir et en blanc, en rouge. Et c'est, ils sont là aussi, les gens de Vancolo. C'est parti, Emmanuel Assomo avec cette finale qui va gagner le million de francs CFA. Le nom sera donné tout simplement. Le ballon pour la sélection de Manguier avec de l'autre côté là-bas de Faux de prix ce match par le bon bout en essayant d'aller s'installer dans la moitié des terrains des rouges de Vancolo. Récupération dans l'entrejeu de Monzio. Monzio qui va accélérer là-bas côté gauche. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur ce coup-là avec un centre qui malheureusement. C'est Manguier qui donne le ton devant que Manguier le vent encore d'une belle rencontre en demi-finale qui va relancer son équipe avec ce ballon de 6m50. On va laisser sortir tranquillement du côté. Elle est récupérée par la défense de Manguier avec Kidin. Kidin qui va solliciter l'un de ses coéquipiers. Là, ce sont les danseuses officielles du Turbo du Monde, les turbines. Ah, okay, les turbines, les fameuses turbines. On espère peut-être quelques secondes de spectacle tout à l'heure. Ah, ce sera en tout cas pour le plus grand bonheur du public, pour le plus grand bonheur hein, du public du Canada. Ah, ouais, il faut le faire. Et c'est pour cela qu'il est en tout cas le numéro 1. Sur le terrain, la formation de Manguier va récupérer un ballon de l'approche, ballon perdu, avec néanmoins l'effort défensif de Fomen, pas pour longtemps, Jock, et le ballon qui sera prolongé en retrait par Choco pour le portier, capitaine de Manguier, Kameni, Kameni qui dégage loin de l'avant, en direction de Fomen qui sera un peu court. La défense de Bacolo va récupérer ce ballon d'avant au jeu par la famille de l'hôtel numéro 13, Siwe. Siwe qui est quatre côtés gauche avec son capitaine Gefak. Gefak qui trouve le relais de la 7 côté pied qui essaie de prendre le couloir. Attention Gefak. Et c'est à côté. C'était la première faculté à le ballon de 5m50. Alors que ça s'active hein, de partout. Le turbo qui est en train de se retirer, peut-être momentanément, on espère qu'il va revenir. Il est accompagné par les membres de la sécurité. Sur le terrain, le jeu va se monter pour première occasion. Le côté droit, c'est le numéro 12, Choco qui a mis directement à l'adversaire. Et attention à Siwe qui semblait menaçant là pour récupérer ce ballon. Kamsu dégage.
là-bas c'était Jomène, par couverture, par les soins, avec Sirelet. Le ballon en avant, il va solliciter son partenaire. Ah, il avait tenté de couvrir le relais, même ses coéquipiers. Pour, il est pressé, attention, ça peut être dangereux. Et il va tranquillement basculer. Et il faut dire encore attention à cette équipe de Manguier. Mancolo avait commencé le tournoi très timidement. Et Mancolo, il y a deux jours, nous a montré en plus de visage. Mancolo, le pouvoir, il passe de là. Manguier reste la meilleure des chances. On va également rappeler que le public est invité hein, pour ceux qui consomment de la bière à se diriger là-bas de l'autre côté où se trouve bien sûr l'effigie de Modeste Mbami. Ils peuvent donc se rendre là-bas pour se faire servir gratuitement en bon verre de bière à pression classée. Donc, qui trouve le soutien là-bas avec son avant-centre, là c'est récupéré et on va passer sur le côté droit avec cette belle ouverture, bien couverte par Kamsu qui était resté et qui va permettre tranquillement à l'équipe de Manguier de repartir Emmanuel. Avec le dossier numéro 19, Mbou, la montée de la place centrale de Manguier Mbou, le centre qui sera capté sans problème par le portier Kameni. La relance de Kameni récupérée là-bas par la défense centrale des joueurs de Mbankolo avec Siwe, avec un pied gauche en haut. Siwe pour son attaquant Joe à retrait, le ballon perdu récupéré par Monzio. Monzio qui va lancer ce ballon dans la course de Foden, mais il n'ira pas plus loin. La faute à cette superbe intervention défensive de Mayuko et la formation de Mbankolo qui peut repartir côté droit avec Elaï Vina qui trouve le relais de ses partenaires. Le prochain sur le côté gauche pour personne. Ah oui, c'est celui-là, le portier Kameni qui va se prendre tout son temps pour relancer un peu pour le rugby avec cette drop. Et là, le ballon va tourner quand même de primaire de l'autre côté. C'est pour le milieu que Matisse Mamonzio. Que va-t-il faire? Il essaie de trouver Fomé dans la pointe, ça n'a pas marché. Et attention au contre là-bas, c'est avec Benoun. Benoun qui s'est appuyé sur son arrière droit là-bas, alors que Mbou va récupérer tranquillement. Et là, beaucoup de métier déjà. Matisse Mamonzio, l'ouverture de Monzio. Ça peut être dangereux alors qu'il est parti sur le côté. Les deux équipes s'étaient séparées, deux ados, zéro but partout. Au match retour, à côté de cet événement, il y a d'importants partenaires. On a notamment l'éclat de cet événement déjà titanesque. Sur le avec son malheureusement, donc il va passer au-dessus. Il y a la balle transversale des buts gardés par le capitaine. Ils sont âgés et là ils démontrent déjà beaucoup de maturité, beaucoup de calme. Voilà, discipline tactique, c'est aussi ça avec Timbalé par exemple. Là c'est récupéré par ce numéro 2 en premier. Loin de l'avant ballon, gardien de Briseau, la tête avant moi, et Zembo essaie de récupérer là-bas, par le Sard, numéro 4, côté Manguier pour plus longtemps, les rouges de Mbankolo, avec le superbe dribble de Timbalé, à la roulette, hein, elle était zidanesque hein, cette action du Dossard, numéro 10 de Mbankolo, mais les jaunes de Manguier qui vont repartir, avec le dégagement loin de l'avant de ce Dossard, numéro 4, Gilet, Joué, dans cette première mi-temps. Centre de Laïvina, en direction là-bas de Sewe. Attention au pressing, superbe récupération. Il ne va se faire supplendre. Et les rouges de Mbankolo qui peuvent repartir côté droit. À nouveau Laïvina. Au centre de Laïvina, récupéré tranquillement par Zembo. Zembo pour Gilet à la relance. Loin de la rampe pour personne. La défense de Mbankolo va tranquillement repartir, même si Fomen fait l'effort et va permettre à son coéquipier. Bon, si on le trouvait en passant, mauvais contrôle d'en passant qui perd le contrôle de cette balle. Qui joue des devantures, qui est de son pied gauche, il cherche Timbalé qui peut récupérer le ballon. Timbalé, des actions de cette rencontre. Alors Capitaine Mondio, alias de Bison, alias Pique,
Il a été arrêté en trois un tout petit peu de message. Les défenseurs sont souvent très incisifs, eux qui sont souvent dotés d'un très léger tête sur le terrain. Récupération Sioué pour le parking de frappe côté gauche. La transversale de Gofar, pas être finie. Ah oui, laissez récupérer par la défense de Manguier avec défaut pour Kingsing. Ah, ce ballon a bien failli être intercepté. Non, même si on sent vraiment le rythme un tout petit peu cassé depuis quelques temps. On essaye de se trouver et là. Oh, attention, peut-être dans cette occasion où il y a d'avant-centre Benoni, il me semble, qui se montrait très dangereux là dans la défense. Heureusement, ça a été bien géré une fois de plus par Kamsu et Mbo qui apparemment se connaissent très très bien et ils savent quand il faut. Agir lorsque l'attaquant est en place. Et là, ils ont réussi à annuler l'offerte au joueur de Bordeaux qui du reste garde le ballon. Avec là-bas Benoun, malheureusement, la passe de l'attaquant de Bordeaux ne trouvera pas. Et donc là-bas pour Kixi. Kixi qui va remonter le terrain, il est passé. Il a été accroché. Jusqu'ici, de la prestation des deux équipes. Il faut dire simplement que c'est un match jusqu'ici très équilibré. Les deux équipes se tiennent bien. Il y a beaucoup de vigilance aussi de la part des deux équipes qui ne veulent pas se mettre à l'abri. On sent cette peur de concéder ce but qui finalement fait 1-0 à 0. Il y a quand même aussi de belles choses avec nos amis de Bordeaux qui, comme on l'a dit, utilisent super bien les côtés. Les Manguiers aussi qui travaillent super bien au milieu de terrain avec Monzio. Zemo qui récupère un nombre incalculable de ballons. Quelquefois en bas ça, et Fomène aussi tente de la porter derrière moi pour parce que c'est un match qui est très présent. Et deux grands gardiens, Emmanuel, on rappelle que le meilleur gardien de terrain sera primé à hauteur de 10 000 francs CFA. Et là, on a pratiquement les deux meilleurs. Ah oui, là, on a pratiquement les deux meilleurs. Peut-être qu'ils vont être départagés sur ce match. C'est attention à la récupération de Fomène. Ah, attends, c'est déjà très dangereux. Fomène ! Il est le premier du moment. Vers ce cadre, me semble-t-il, le meilleur du moment. Alors qu'il se prêtait à fusiller le portier Pousseau, il est repris. De cette formation de Bordeaux qui s'en tire là avec beaucoup de réussite. Et là, c'était bien parti comme vous le disiez, c'était aussi bien le geste de la présidente du comité Stiga cet après-midi. Et le match toujours qui n'arrive pas à se débloquer. On a toujours belle occasion tout à l'heure. C'était l'attaquant, c'était Fomène qui s'était monté dangereux pour Manguier. Ça va repartir sur le terrain avec Gillet. Ballon perdu récupéré par la formation de Bordeaux avec le capitaine de Fart qui temporise. Le centre de Fart sera dégagé par Kingsing. Sierre est battu. Le cul est récupéré par le capitaine de Fart. De Fart pour Mayumbo. Attention, c'est intercepté par Monzo qui n'ira pas plus loin. Récupération des Zembo finalement pour Kamsu qui dégage loin de l'avant sur la tête de Tessido. Et ça va repartir côté Manguier avec l'accélération de Monzio à qui avait essayé de glisser un petit ballon dans l'espace. Il y a un jeu. Il le joueur n'est pas entendu. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de bruit quand même autour du stade. Et un autre phare depuis le début de cette finale. C'est notre pays, le beau Emmanuel, avec de très jolies choses à voir. Tous les mâles qui ont le sourire. Même Marco Singer. Ah, défaut, petit volet réparation. Il avait un contre favorable, malheureusement. Il est repris par la défense avec le dégagement de l'avant de Tampi. Nouvelle et toujours ce score de cela. On espère que l'une des deux formations sur le terrain va pouvoir tirer son épingle du jeu au terme du temps réglementaire. On l'espère véritablement, même si dans ce tournoi on était habitué au nul, on en a eu 11 au total avec 9-0 à 0. Les équipes se tiennent et se valent.
le nul, Kunal Sidiani. On va tirer souvent pour céder à la phase des tirs au but. N'ayant pas de lampadaire sur le stade. Et là, ça viendra peut-être dès les prochaines éditions, alors que là, c'est Mangiki. C'est comme on assiste carrément à des situations d'attaque. Alors, la mise en jeu avait été récupérée par l'équipe de. Ensemble, nous étions en retard du président Ramon de Valence pour encourager le mouvement pour le développement. Alors que là, Manguera, quand on va essayer de repartir, on est dans le recentre, on l'a vu, dans la moitié qui aura des jaunes et noirs, l'ouverture d'avance sur le côté gauche. Aïe, Balance, on se met, il est rapide, aïe, ça avait fallu un peu, c'était une accélération à Samuel Eto'o. Malheureusement, il a manqué des hommes d'appui sur ce coup-là, mais ça va revenir côté droit avec un passant. Ah, ça n'a pas été facile pour l'équipe de Manguera, hein. Ça n'aurait pas été facile. Et puis de l'autre côté également, on avait vu une belle équipe de Bancolo qui s'était bien comportée face à l'équipe de Ligue de cette demi-finale. Et ils avaient réussi à renverser la vapeur, notamment à part des joueurs comme Jim Bané qu'on voit en 10 ou encore de Toron avec Gufak et Sirway. Sur le terrain, la défense de Magui qui se dégage. Fomen battu, touche de Kingsing, loin de l'avant, la déviation de la tête de Fomen qui a été montée très haut. Bien sûr, en fait fermé. Ah, c'est un joueur doté d'un talent exceptionnel. La couverture de Capsu, un mode de balance. Le site c'est 3W. Entre points, un mode de balance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le président. Un mode de balance. Vous allez également trouver dans les toujours toutes les informations sur ce tournoi, cette première édition du festival de football. Un mode de balance. Vous allez également trouver la vallée contact du président. Si vous voulez entrer en communication avec lui, en contact avec lui, il peut toujours vous aider. Si vous êtes artiste, si vous êtes un footballeur qui va réussir dans sa carrière. Attention, ce ballon est une prise qui s'est achevé par cette reprise de la part d'un Benoun Eugène, mais ça n'a pas du tout inquiété l'équipe de Monzio. La déviation de Monzio, il ne passera pas. Monzio à nouveau avec un contre-ballonnade du Cameroun avec l'équipe d'Achille FC Néandais. Attention à cette contre-offensive amenée par la formation de Bangolo. La belle anticipation du portier Kameni. Il avait bien senti le coup, heureusement qu'il avait anticipé. Et il va donc dégager ce ballon loin de l'avant. Pour une touche qui persiste, 0 but partout. Gueffo pour Kingsing, pressé. Et la défense des Dauphins qui se dégage à nouveau pas pour longtemps. Pour Zembo. Zembo, allez, bonjour. Il est en position de l'enjeu, c'est encore bien pensé. En position de l'enjeu, l'équipe de Mangui se montre vraiment dangereuse. On est dans le rond central maintenant. Avec cette ouverture, il n'y a pas enjeu cette fois-ci. Mais il y a le bon retour de Gueffac et puis Amazo sur le côté droit. Il va essayer de donner le rythme à son vis-à-vis. Et là, finalement, ça ne va pas sortir. Deux équipes se tiennent vraiment. Un cheveu, un rien, bout avec Zembo. Ah, il est pris en sandwich. Sa quête par Mayupo, Fuman, avec Benoun et Jeune qui écarte à côté droit. Avec Hélène Fina. Interception, pas pour longtemps, ça va revenir dans les pieds de Zimban. Zimban pour Tessino, Tessino à nouveau avec Elay Fina. L'équipe de Bancolo qui garde le monopole de ce ballon, mais cette fois c'est intercepté. Et la remontée, attention, le défenseur au bout, pour un passant qui va essayer d'accélérer. Ah, il est repris. Une frappe impressionnante, ça, il est capitaine. C'est arrivé à l'instant, on s'arrive à l'instant, on tape. C'est repris par temps, tire que le présent a mis tous les moyens de tout faire. Justement, hein, parce que là, quand même, des sources très très sûres, on ne sait pas pourquoi pas dans d'autres points du pays.
Ah oui, bien sûr, pourquoi pas. On vous fait participer tous les jeunes du malheur à la fête. Et ça, donc, ça pourrait permettre de découvrir beaucoup de talents. Ah, hein, c'est plus de 20 ans, c'est vraiment impressionnant. Ah oui, on a fait pourquoi pas à d'autres provinces du pays. Et le stade qui a été entièrement repeint hein, aux couleurs du festival Foot en mode de Valenciennes, on voit bien, c'est du bleu ciel, c'est une couleur d'espoir également. Et on a vu même les bandes de touche. Les bandes de touche, voilà, qu'on aperçoit, les bandes de touche qui ont bénéficié des peintures. Alors, on en fait la fin de cette finale, on est bien sûr. Et on rappelle également à tous les confrères qui ont fait le déplacement du stade de la Bundesliga qui les sera permis de faire une interview, bien sûr, pour vos médias sportifs. Et là, alors que sur le temps de manger, c'était le bon, je pense qu'il y avait l'ancien aussi tout. Non, c'est bon. Président, honnêtement, a dit vrai, quand on m'a annoncé qu'il y avait spectacle ici et ça, quand on a dit qu'il y avait championnat, j'ai dit non. Personne ne peut me faire venir ici à mirer la dentée. Félix, quand on m'a dit que tu descendais au niveau de l'aéroport de Douala, moi je descendais à Simalène au niveau de Mbombi. C'est par là qu'on m'a dit que non, quand tu es dans le championnat, c'est amour. J'ai dit, mais amour, ça signifie quoi? On m'a dit que A signifie amour. On m'a dit M, ça signifie mannequin. On m'a dit O, ça veut dire organisé. Mais le tir à l'homme, c'était terrible. Parce que... Mon ami, tu veilles. C'est le début. Félix. J'ai dit aux gens que... Oh, les gens ont raconté. Oh, il dit que tu es en prison. Oh, il dit que tu es où? J'ai le sens de quelqu'un qui était en prison. Quand vous voyez, on me dit que Amoud a pleuré. Mais j'ai dit non. Aujourd'hui, je vais t'essuyer les larmes. Comme tu es arrivé, on m'a dit que tu n'es pas venu, c'est que tu es accompagné des mannequins, les gens qui font mal au niveau de ma vie. Yo soy de ma vie. Si, pour que pour ça, nous devons être très sérieux, c'est une croissance d'Espagne. Mais c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous embrouiller ici, oh, le championnat, la filiation, c'est 50 000. Quand tu vois le trophée, il y a 1 000 francs dedans. Ici, c'est 1 million. On dit la Bible à 50 000. À mon Dieu fort. Tandis que, il y a un cas bien en blanc blanc. Parce que les gens sont bien en blanc blanc, on sait pourquoi ils sont en blanc blanc. Blanc blanc, c'est pas un signe de sainteté et d'honnêteté. On a dit que l'hôpital était très fort le soir. Mais quand il ne faut pas manger ça, je suis venu avec un petit frère que moi aussi je lance. Dès que vous me lancez, moi aussi je le lance. Ancien. Ce que tu as sorti, c'était quoi les euros ou bien c'était les dollars? Ce que tu as sorti, ou bien tu avais un seul billet. Non, pas un seul billet. Moi, je connais. Je connais. Non, ce n'est pas les histoires de marché, Mathieu. Sans l'autre. Mets un billet au bout et puis on décale. Mets la main dans la poche. Ancien, quand vous voyez aujourd'hui, quand vous allez partir, on ne va plus vous voir. Ça dit que prouve que l'amour, amour, le petit nom qu'il a, tu sais, il m'appelle Vondo. Demande-lui, je m'appelle Vondo. Il sait d'où le nom là sort. Moi aussi, c'est quoi? www.amourvalencia.tk. Tu as toutes les informations. Bon, je ne sais pas.
Machine Production, Florence et nous, à l'Allemagne. Vita Malex, Francisco Lourdes, Roquelle. Quelqu'un là-bas, Poète, ça n'a pas marché, récupération direct pour l'équipe de Mangui avec Joko. L'ouverture de Joko là-bas vers l'avant, ça sort directement. Ça sort directement et finalement. Oui. J'aime toujours ce jeu. Toujours ce côté gauche qui fonctionne à merveille pour les dauphins de Bancolo. De fac et Sioué. Une entente formidable. Attention à l'accélération de Benoît. Sœur adverse, il avait tout compris. Le dégagement de Ting Ting en direction de Fomé, défaut. Ah, c'est repoussé par Timban. Mbou, toujours avec la même sérénité. C'est lui qui va récupérer cette balle et ouvrir côté droit en direction d'Ambassa. Super contre d'Ambassa. Il écarte toujours côté droit avec son coéquipier qui va trouver le relais de Choco. La relance de Zembo pour personne. Ballon trop profond dans les bras du portier Prisso qui relance côté gauche avec le capitaine Ndofa. Attention à l'équilibre et repartent les joueurs de Bancolo avec le capitaine qui va laisser le soin à Prisso qui a de la gueule dans les gants. C'est ce que l'histoire raconte, que le ballon lui colle aux gants. Et là, c'est lui qui relance tranquillement et s'est coéquipé là-bas alors que Mandier va certainement revenir. Le ballon récupéré par les Reds. Les Reds avec deux idées. De la tête. Ah oui, jeu dangereux donc de défaut sanctionné et se couffrant pratiquement à hauteur de la ligne médiane. 2-0 à la relance en direction de Djamo. Contrôle en extension. Et malheureusement, il aurait voulu peut-être qu'on rallongea le stade des Toutis de Rouge-Liga que dit. Il aurait voulu qu'on rallongea un peu. Mais voilà, heureusement, il y avait la faute sur lui, la poussette. Et le coup franc, suivre de la gauche vers la droite des buts gardés par le parti Kameni. Ça peut être une belle occasion là, mais ça peut être c'est au-dessus. Le match est toujours aussi serré. Didier, vous qui avez suivi ces deux formations, on sent bien que les garçons de Bancolo ont tiré les leçons de leur défaite. Quelque chose à montrer, Bancolo s'était révélé comme l'une meilleures équipes de ce pouvoir, on a simplement dévoré, se lever la vie, et là c'est la première.
honneur de l'ascendant dans ce match. La parité raciste qui peut-être va recourir à la fatigue des pommes et tirs au but pour départager finalement. C'est ce soir pour tout le monde. Il y a toute la pression qui était dans le jeu. Et on annonce le spectacle ce soir avec notamment Marco Singer qui sera là, Petit Pays, le Doux Marcelin. Ils seront certainement nombreux avec plein de parotages annoncés. Le déplacement alors que là, Siwe se débarrasse de son vis-à-vis sur le côté là-bas. Siwe va peut-être s'appuyer sur le soutien de Tawa. Oh, c'est au-dessus. Trop peu. Même si là, ils sont peu inefficaces cet après-midi. La tête des Néfina en direction là-bas de Siwe de la poitrine, mais c'est récupéré par la défense de Magné qui va se relancer. Le superbe contrôle et l'accélération. Pas de Fomène, la déviation là-bas, pas de Zenbo, pour cette ouverture qui ne trouvera personne si ce n'est l'opportun Priso. Oh Priso, très élégant, et j'adore les séquences parce que, je dis peut-être parce qu'il surjoue un moment des gardiens gauchers. Très élégant ce gardien de but. Et bon, c'est peut-être vrai que lorsque nous jouons un peu aussi au foot, on essaye d'être gaucher par en fait tout simplement parce que nous admirons tous ces gauchers là sur le côté droit. Et il y a le contrôle qui est réussi, mais la belle couverture de Kamsu. C'était le petit qu'il a à son jeune âge. On parlait de 15 ans et demi tout à l'heure, Didier Dengel. Ouais, de 15 ans et demi, 15 ans, un peu plus seulement. Déjà un excellent défenseur. C'est une profession fulgurante, un talent précoce à ce jeu-là. On espère que le prochain jour, on verra peut-être chez les sélections nationales. Pourquoi pas, on l'espère bien. Alors, le talent qu'il faut pour ça, oui. La récupération de Chile. Chile pour Kingsing. Relancer la machine, Mangué, va repousser la tête par Timar, et récupérer la balle par Djoko. Attention à cette mauvaise passe, intercepté par Siwe qui trouve le relais de Djao. Siwe à nouveau. Ah, c'est une ouverture en direction de Benou. Regardez toutes les anses techniques de Siwe. Il fait danser toute la défense là-bas, carrément. Peut-être pas terminé. Ça va revenir. Mais c'est si oui, il nous garde tel joueur qui a une palette technique vraiment impressionnante, qui a une touche technique. Peut-être, mon cher Emmanuel, la solution, la clé de ce match pour l'équipe de Pampolo viendra peut-être de la gauche. Ah oui, ça viendra peut-être de la gauche. Il multiplie les offensives de ce côté-là. Et ça met à chaque fois en difficulté la défense de Magné. Bonjour. Ah, il a le contrôle cette balle avec beaucoup de réussite. À retrait pour Djoko. La transversale de Djoko. Et le drapeau de l'assistant numéro 1 qui s'est élevé pour sanctionner une position de match de défaut. Et la défense de Bacolo qui se relance avec Bordeaux de la tête pour sauver la touche. Défaut, Jérôme de Rézet, de Zido. La défense de Manguier, mon Dieu, pas de déviation pour personne. Et c'est vraiment surprenant hein, parce que on retrouve pas tous les joueurs de Manguier à l'attaque. Ils vont peut-être devoir passer par les côtés là, c'est pas mal avec la déviation de Fomène. Ah ouais, la belle ouverture Fomène. Et il avait réussi à toucher au ballon Emmanuel. C'est secondement du côté de Manguier du mouvement. Il faut offrir la solution au portier global de ce que Fomène a fait. Malheureusement, son extérieur du pied droit manque un peu de puissance et le portier Priso était bien sûr très vigilant sur ce coup-là. Desido cherche quelqu'un point 1 sur le côté là-bas, ça ne marche pas. Voici la récupération sur le côté gauche, mon centre. Il y a une extension qu'il cherchait. Mais ça n'a pas été bien négocié. Attention au contre maintenant avec Diawo qui est sur le côté gauche et Charitang, le petit pont. Mais il garde le contre de la balle puisque le tour est défavorable. Diawo avec Siwe. Siwe qui ouvre la balle pour personne, malheureusement. La porte
Ah, là, c'est Alain Benoun qui rentre. Certainement le prochain de l'autre. Oui, le prochain de l'autre. Et c'est pratiquement le même remplacement que fait le coach de cette équipe par ce tournoi. Attention, oh là là là, il s'en met le col. Il a marché sur le ballon. Le petit Amassa, bon, ça ne passe toujours pas. Et peut-être qu'à ce rythme-là, on est en train de se diriger vers une autre épreuve de tir au but. Pourquoi pas départager les protagonistes de cet après-midi. Et d'ailleurs, on a vu tout récemment avec la finale de la Coupe du Monde. Ouais. Les tirs au but semblent être revenus vraiment au devant de la scène. Et on rappelle peut-être succinctement les prix. Il y a pas mal de points déjà, nous on le sait. Mais vous, on ne peut pas encore vous le dire. On va garder le suspense pour la fin du match tout à l'heure. Ouais. On rappelle que le malheureux finaliste empochera 4000 francs. Et le meilleur buteur aussi est connu. Hein. Ah oui. C'est pas près de 5 buts, il me semble. Oui, dans le tournoi. Et là, il ne sera pas rattrapé cet après-midi. C'est pas, il ne sera pas dans le derby, comme on dit ici. Il y aura donc 7, absolument, avec la soirée du 24, déjà demain. Ah ouais, certainement il va pouvoir faire la fouette, hein. Le joueur Zepa, alors que là sur le terrain ça se poursuit, c'est Kimbané. Ouais, oh, avec Alain Benoun, et puis Zidane, finalement Benoun pour un centre trop enlevé. C'était Django qui avait... Ah oui, c'était Django. À part les trophées, on remise à la soirée au Lions Club. On peut donc d'ores et déjà dévoiler les noms des nominés. Le meilleur buteur, c'est connu depuis Zepa, délivré du avec ses 5 réalisations. Le meilleur joueur du tournoi, on le présentait, c'est Bou, le défenseur central côté marqué. L'équipe la plus fermée, c'est bien sûr Bastos. Bastos, voilà. Le meilleur gardien, c'est le portier des Sens. Le premier buteur du tournoi, c'est Zepa. Il aura également pour cet exploit-là une prime de 10 000 francs. Donc ça fera au total 25 000 francs. Avec la rentrée, le milieu de terrain, Songa, pour apporter du 109 au dispositif. Bien sûr, du côté offensif, côté Manguier. Et ce va être un peu plus. Côté Manguier, ouais. Entre les défauts, peut-être pour un premier ballon en direction des Sombats, battu. Et Marguerite joue un peu de façon désordonnée. Ah oui, depuis quelques instants, Stade, ils ont perdu leur football. Après un tournoi qui aura duré quand même 15 jours. Et cette finale acharnée, c'est difficile. La fatigue est donc déjà là. Et peut-être que d'un côté comme de l'autre, on attend déjà tout simplement cette séance de tir au but qui va peut-être désigner le vainqueur de cette première édition du Festival de football à Mont-de-Valence. Alors que là, ça repart sur le côté, ils sont venus dans l'axe avec Sioué. Oh là là, à chaque fois qu'il touche le ballon, c'est un régal. Abyss Avamonzio, qui a été un peu transparent quand même dans cette finale, mais c'est lui le joueur d'achat qui fait cette ouverture pour tout le monde, c'est la massade. Ouais. Ah oui, Zembo, c'est l'homme qui a le plus joué de match dans ce tournoi. Il en a joué 8 et chaque équipe avait joué 8 matchs jusqu'en finale. Il a joué toutes les rencontres jusqu'au bout. Il a 640 minutes d'infaillibilité dans ses combats. Il a parcouru 15 km, soit environ 1,625 mètres par match, 1 million de francs. Et il y a un joueur hein, à qui effectivement Dieu prend tous les chapeaux hein, sur ce but-là, Freddy Fantomas, c'est le joueur de Tottenham Fomé, qui, dans un premier temps, était parti de tout à fait le défenseur de Suisse, sous les 5
du portier prison et Zendo qui est en embuscade, qui ne s'est pas fait plier pour tout simplement l'ouverture du score de cette finale. Et ce but arrive au moment où nous étions dit là, ils l'ont démontré, ils mènent bel et bien par promis à cet instant précis. On va peut-être voir la réaction de Mancolo. Ah oui, il va falloir. Ils ont concédé ce but au plus mauvais moment. Un coup de masque sur la tête des joueurs de Marco. Attention, c'est dégagement. On peut cafouiller là, d'un côté Mandier. On reconnaît quelque chose. Ah, mais c'était involontaire ce contrôle de la main. Récupéré dans l'entrejeu, là-bas par Monzio. En direction de Fongan qui va tranquillement les. Ah, le sauveur. C'est le but d'abord. Ça l'a mis en confiance. C'est un déçu. Peut-être pas 10 ans derrière. Pour la petite histoire, hein, ça faisait quand même très longtemps. 8 ans pour que les moins de 20 ans de banquiers ramènent peut-être dans quelques instants un nouveau couplet à ce quartier populaire de la cité capitale. Même s'il n'y a plus de banquier comme à l'époque, hein, là-bas. Mais ça. Une jeune génération avec des dames bien longues et bien aiguisées qui veulent bien sûr aussi piller et aller loin. On espère les revoir. Hein. Pourquoi pas dans les différentes équipes nationales des jeunes au niveau du Cameroun. Et là, Didier Dengel, lui, avait une petite pub à balancer. Mais tout à fait. Demain, nous, le public, le banquier, avec nos millions de francs, ira célébrer cette victoire au foyer même. C'est situé derrière le dispensaire de César. Après, tout simplement, forçant et on a prêté pour le plaisir de tous les mecs. Il y en a super stylé avec des derrière très, très petits. C'est le DJ Protector et le DJ Morocco qui sont prêts. Faites-y un tour, c'est ça, explosif. Et là, on manguait, même si Manguier n'a pas encore gagné, il y a encore du match dans ce match. Avec ce ballon à l'équipe de Mancolo qui peut le partir avec Siewe. Siewe du 3 là-bas qui cherche Django. Django, c'est très très profond. Et puis c'est même c'est un but à 0. Et Kameni avec ce ballon un peu se drop comme rugby pour relancer. Et le calme de cette défense pour repartir par le milieu de terrain. On cherche quelqu'un sur le côté droit. Et là on voit que l'équipe de Mancolo en maille à partir avec blessure. Un demi-teinte, c'est peut-être pour cela que Desidio a été obligé de céder sa place à ce de San Moses pour apporter également la percussion côté droit tout pour cette formation de Mancolo. Alors que Mangué essaie de repartir à l'attaque là-bas, il y aura ce coup de tête de la défense centrale, ce double coup de tête de la défense centrale de l'équipe de Mangué, alors qu'ils vont repartir, c'était Fomen qui s'est montré dangereux, mais il est vite à chaque fois qu'il est sur le côté. Attention à Timbalé, Timbalé qui trouve la culture Diango. On cherche une tête, il y aura plutôt un dégagement. Ah oui, la défense de Mangué qui ne laisse plus rien passer. Ils ont tout verrouillé, Fomen qui fait l'effort, qui essaie d'aller mettre la pression sur Mayupo, qui aura tout simplement le dernier mot sur ce duel. Et c'est même en coufflant en faveur des rouges de Mancolo. Le lance rapide de Mayupo en direction de Diango. Diango, récupération de Pou. Ah, quelle sérénité. Ah, sa concentration comme meilleur joueur de ce tournoi est tout simplement méritée. C'est beau. Belle ouverture, pour personne, pour personne. Réseau, le gardien de but qui se dépêche avec ce dégagement très aérien récupéré par Kamsu. Kamsu pour Djoko, la relance de Djoko contré, la tête de Siewe, ballon au niveau du rond central, au jaillissement, tout ça numéro 12 de côté Mancolo. Ça va revenir avec la tête en renvoi de Kamsu. Pour une récupération signée Ndjile. Bon coup franc. Et il va certainement mettre ce ballon assez loin. Ah, plutôt Siwe. Sur le couloir, ils se sont parlé. Et que va-t-il faire de 120 cm? Il a peiné la conséquence. Oh là là. Encore une occasion cachée, Frédéric. Ce n'est pas de cette façon qu'ils vont égaliser nos. Et ils ont compris que c'était l'après-midi saint. Oui. Ils ont tout essayé. Ils se sont créés. Quelques situations dangereuses malheureusement non concrétisées. Et c'est Mangué qui a fait montre de réalisme à nul autre pareil cet après-midi avec ce but inscrit par Zebo en toute fin de partie. Et là, c'est un dégagement de porter Kameni avec
bénéficiant de temps favorable. Ah, le passement des champs magnifiques. Les aînés enrhumés sont vis-à-vis. Belle couverture de balle. Il est bien sans lui, mais il a toujours son ballon. C'est comme si. Oh là là. Ouais, du côté d'arbitrage, pas de soucis. Ouais, pas, ils sont restés. Impériens, je sais. Et voilà, bon, qui va fêter certainement, même si, voilà, comme on le disait, il n'y a plus trop de mandier là-bas. 50 000 francs, c'est pas. Et le quatrième sera 150 000. Le reste des équipes au pays. C'est rare de voir comme ça. Avec des dossards floqués depuis Valence à l'Espagne. À mettre à l'actif de l'organisation, ouais, qui a mis les petits plats dans les grands. Tous les détails ont été passés au pays. Et la deuxième édition, ce sera. Vous retransmettez tout ça dans une dans des éditions spéciales de Force de Sport pour la dernière attention. Il y a le fini. Elle a arrêté son bas côté gauche. Et on le passe par l'axe. Là maintenant, on ne sait pas faire du Zembo. Ils sont les trois. Oh là 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 là, il va passer. L'accélération de l'attaquant de Mané qui est passé. À la couverture. Vers la couverture des CEO. Au Jacques le joueur. Et lui fait les comptes depuis tout. C'est les comptes comme avant, pas de l'esprit également. Et le festival Hameau de Valence est en train de mettre la clé sous le paillasson avec ce dernier match. La grande soirée, c'est à partir de 20h tout à l'heure au Lions Club à la rue CPR. On annonce vraiment plein de choses. Et notre jongleur qui est arrivé, attention, il faut pas qu'il rentre sur l'air du jeu. Ah, les derniers instants de cette finale, Djawo, le relais de CO et CO à nouveau pour Djawo. On va mettre l'ordre de la sécurité. Et on va l'avoir même devant nous. Le corner. Attends, ils vont tout faire, ils vont tout faire pour revenir. Oh, ils se gênent là, les deux coéquipiers. Avec ce coup de pied du coin. Oh mais là c'est pas bien négocié, c'est pas bien. Et attention au paysan qui est monté. Il n'a pratiquement plus quitté le point de réparation du gardien. Ça sera repoussé. Ça va bien. Ah, petit la ville. On recommence le corner. La pression dans le camp de Manguier. Le portier Pizot, très actif devant Kameni. Il va falloir s'appliquer. Le sang. C'est dégagé. Loin de l'avant, en direction de Fomène, prison qui n'est pas le gardien n'est pas là. Il y a peut-être la possibilité. Ah, il est contré par Campi. Dégagé, non. Et Somba pour Fonga pour Essomba. Fonga à nouveau. Loin de l'avant. Après la première édition du festival de football. La population, je vous remercie sincèrement tous. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de m'aider dans l'organisation de ce tournoi et vraiment je suis très content. Président, on voit bien que le succès a dépassé les prévisions. Est-ce que ça va continuer? Ouais, je crois que l'année prochaine il y aura la deuxième édition. Ok, c'est un. Ah, c'est une très belle nouvelle pour le Saint Thomas pour les amoureux du football. C'est confirmé. Et certainement en décembre 2008, deuxième édition du festival de football à Mode de Valence. Ah, oui. C'est un projet, nous aurons le temps d'étudier ça. Ok. Okay. Peut-être Emmanuel, encore une question ou deux? Ah, on va presser là-bas. Voilà. Le protocole. Voilà, le protocole. Il va falloir enchaîner. Merci, président. Il est soufflé. Elle s'appelle Annie. Ah, la folade. Et la célèbre coordinatrice Zepa, meilleur buteur, 5 buts du meilleur buteur du premier festival. Le meilleur joueur du tournoi, il mérite d'être applaudi. Le meilleur joueur de la première édition du festival à Mode de Valence, il vient de manquer. Le tassier, on a vu des chances qui a été très important dans l'organisation de ce tournoi également. Ah oui, Zembo n'était pas loin du meilleur. Et puis on va enchaîner
avec il reste à primer également. Maintenant ça se poursuit, la poignée de main à l'équipe vaincue. Bancolo, est-ce qu'on peut avoir Bancolo? On sait qu'on les entend dans tout ce stade. Ah ben ils sont tétanisés, ils sont émus. On sent la déception. Concentrés sur l'avenir, pourquoi pas, ils auront à gagner d'autres trophées. Il va falloir rester fair play, parce que là, ils n'auront pas démérité du tout. C'est le coach de Bancolo, en tout cas, dans la mission de la très très bon coach, hein, qui a su canaliser les énergies de ses jeunes. Très très belle équipe de Bancolo, avec Defac, avec Siewe, avec tous les autres. On y va, voilà. Alors qu'ils sont en train de serrer la main. L'année prochaine sera peut-être la meilleure. Il y aura certainement encore des joueurs de cette équipe qui auront encore l'âge. Trop facile d'avoir participé. Vous avez été d'un apport très très important pour la réussite. Chers invités, bonjour à Mayotte. Je voudrais, au nom du président, au nom de Valence, vraiment sincère la première édition de l'organisation des nommés festivals de Valence, remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de cet événement. Je voudrais également remercier sincèrement nos anciens lions et notables qui n'ont pas manqué de nous apporter leur soutien. Je ne pourrais pas oublier la jeunesse de... des équipes, les journalistes, tous autant que vous êtes, photographes, sans vous, cet événement ne serait pas ce qu'il est. Alors, tout ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faudrait à l'avenir encourager votre frère. Pour manquer, vous êtes très heureux, je suis très heureuse pour vous et je vous félicite. Pour l'équipe perdante, il y aura encore l'année prochaine, vous avez tout le temps de vous préparer et de revenir plus en force encore. Mais je remercie le fait que vous ayez tous été très fair play. Et que le tournoi se soit très bien déroulé, sans victime, sans querelle, sans rien. Et si jamais il y a eu des amertumes, dès ce soir, tout s'éteint et on reprend notre vie normalement. Monsieur le Président, je voudrais en présence de tout ce personnel, tous ces jeunes, toutes ces personnalités qui nous ont bien voulu nous honorer de leur présence, vous dire merci. Vous êtes un frère et pour ça, la confiance que vous m'avez faite, je tiens à vous remercier. Certes, pour une première édition, il y a toujours des petits loupés, mais je pense que c'est quand même un succès et nous le finirons ce soir en beauté. J'ai fait de mon mieux. À tous, merci et à l'année prochaine. Merci. Voilà, le capitaine juste derrière, c'est comme il dit. Heureux de voir ce jeune frère. Pour remporter ce succès. Donc, s'il vous plaît. Voilà. Les vainqueurs, bonjour à Bissama, bonjour d'Achille. Zambo, Bissama, voilà. Ils sont souriants. Un bâton quand même, comme on dit à l'ambier. C'est pas le temps qu'on peut là. Les dirigeants de cette équipe de Zambia, le Bissa, Toki Mambier, le coach Calvin. Les jeunes de Zambie l'ont fait. Ils n'avaient pas gagné un tournoi majeur. De la boumesse de tout le temps. Ils l'ont fait. Le vainqueur du premier tournoi festifou en Monte de France s'appelle Mangue. Et le coach. Passa.
solo canal 3. Et le DJ Idriss. Merci Idriss pour tous les mesdames et messieurs. Joyeux Noël à tous et à toutes.